Nous allons essayer, mesdames et messieurs, de le juger le moins mal possible. Sachant que la règle essentielle, c'est celle de l'intime conviction. C'est ce que vous avez ressenti, subi, entendu, ce que l'on a crié, ce que l'on a tu, ce qui fait ce que vous êtes. Et c'est sous le prisme de ce que vous êtes qu'on va juger cet homme. Mon intime conviction, c'est qu'il est coupable. Mon intime conviction, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Un apéritif pour commencer ? Non, on va commencer avec un divorce par consentement mutuel. C'est vraiment vous ? Elle vient de là, elle vient de bleu. On annonce plus de mauvaises nouvelles. Et actuellement, un sosie qui me fait beaucoup de tort. Je peux avoir vos papiers d'identité ? Je le chanterai toujours. Allumez le feu. Ok, c'est bon, venez. Le bleu, ça veut dire que je t'aime. C'est quoi l'amour ? C'est quand la question de savoir si c'est un bon coup se pose plus. T'as déjà trompé ta femme, toi ? Je n'ai jamais de son vivant. Ça veut dire quoi, ça ? Comment il faut que je fasse pour te dire que je t'aime ? Le jour où tu me le diras les yeux dans les yeux, tu vois, je te croirais peut-être. Bah, retourne-toi, alors. C'est le montant de votre redressement fiscal. C'est pas un chiffre, c'est un numéro de téléphone. 20 passes par jour pendant 20 ans, ça fait 154 000 clients. Je vais écrire mes mémoires. Et si chacun de mes clients achète un exemplaire, ça va faire un putain de best-seller. Vous êtes sûr que vous voulez divorcer ? Ah oui. Tu te